金曜の司会はナンポールトキ、司会のプラスティックズームスです。僕たちは、ニューウェーブとかセブンティーズパンクに影響を受けて今の時代にアウトプットして新しいことをやろうと思ってるグループです。ボーカルのショウです。ベースのジュンです。ギターのトムです。ドラムのカンバです。今日のラインナップはゲームレビュー、サデボワットトコトコです。まずはノーライフニュースから始めましょう。 VTR どうぞ。OK. Donc, j'étais... Près de 3 ans après la sortie de Destiny, une suite se profile à l'horizon. Destiny, c'était le MMOFPS créé pour Activision par Bungie, le studio déjà responsable de Halo, Miss et Marathon. Et c'est avec un petit discours de Kate Six que le développeur a choisi d'annoncer Destiny 2. Cette suite serait prévue pour l'automne et plus de détails ainsi que des images de gameplay devraient arriver dans les prochains jours. Et là, c'est défini mon resto préféré. Deuxième préféré, en fait, il y a aussi cette pizzeria. Bref, je m'égare. Pour faire court, ça devient super chaud. Mais je me dis, je gère. Tu vois, dans ces moments-là, faut toujours se dire, je gère. Mais mon pote, je gérais que dalle. Le nouveau personnage annoncé par Blizzard pour Heroes of the Storm rappellera de bons souvenirs aux joueurs de Diablo 2. Il s'agit en effet de l'Amazone, prénommée ici Cassia, et plus particulièrement de la variante de l'Amazone équipée d'un javelot. La Javazone, comme on disait à l'époque, spécialisée dans Éclair en furie, avec une revanche du titan. Des souvenirs donc. Cassia est un personnage dont l'armure sera fortement augmentée pendant ses déplacements, et il conviendra donc d'essayer de l'immobiliser pour la combattre. Giving Cassia plenty of time to take them out of the fight. La récente sortie de Torment Tides of Numenera a été l'occasion de reparler de son mythique prédécesseur, Planescape Torment, le jeu de Black Isle Studio, sorti en 1999. Avec un sens du timing impeccable, voici que Beamdog annonce la sortie d'une édition étendue de Planescape Torment. Graphisme rendu pour la 4K, musique remasterisée, nouvelles fonctionnalités, et tout cela avec la validation intégrale des créateurs du jeu originel. C'est une excellente nouvelle car le jeu de 1999 avait beaucoup de mal à fonctionner sur les versions récentes de Windows. Et en plus de ça, cette nouvelle version intégrera les correctifs qui avaient été développés par la communauté des joueurs, devenus indispensables à l'expérience de jeu. On n'aurait pas pu rêver mieux. Kova est un action RPG indépendant qui se qualifie lui-même de Metroidvania. On y joue le rôle de Kova, une mercenaire qui vit de petits boulots d'exploration dans un monde futuriste où l'humanité a colonisé l'espace. Et au début du jeu, cette héroïne va trouver, par le plus grand des hasards, un artefact alien mystérieux qui va la mener vers une grande aventure. Une aventure capable d'apporter une réponse à la question posée par le titre, le paradoxe de Fermi. Pourquoi dans le monde de Kova n'y a-t-il que l'humanité dans la galaxie? Où sont les aliens? Kova est actuellement en recherche de financement participatif sur Kickstarter. Si Kova recherche encore son financement, Rain World, lui, l'avait obtenu en 2014. Ce titre à l'ambiance graphique bien particulière propose d'incarner un Slug Cat, littéralement un chat limace, une créature à la fois proie et prédateur vivant dans les ruines d'une ancienne civilisation. Mais aussi une créature séparée de sa famille dès l'introduction de l'aventure. Comme l'indique le titre du jeu, tout ceci prend place dans un monde où une pluie ravageuse et mortelle peut survenir à tout moment. Il faudra donc faire preuve de dextérité et aussi apprivoiser l'écosystème du jeu pour permettre au Slug Cat de retrouver ses proches. C'est une période faste pour les longs métrages animés japonais en ce début d'année 2017. En effet, plusieurs films à l'horizon s'annoncent très beaux. Période faste aussi pour le studio Science Saru, créé par et autour de Yuasa Masaaki, le réalisateur du génial Mind Game, sorti dans les salles japonaises il y a déjà 13 ans de cela. Le studio Yondoshi vient d'ailleurs de lancer un crowdfunding depuis le jeudi 30 mars pour financer la sortie d'une version Blu-ray du film. Celui-ci ne sera pas zoné, avec sous-titres anglais pour s'adresser à un public international. Le public français devrait être ravi de savoir qu'Atanimé s'associe à cette opération et que le disque sera facilement accessible pour les backers bien de chez nous. Même si le film était disponible au Japon et dans d'autres territoires, en HD sur Netflix, c'est la première fois qu'il bénéficiera d'une sortie physique en Blu-ray. D'autre part, Yuasa a donc révélé récemment pas moins de 3 projets qui piquent notre curiosité. Il y a bien sûr les 2 longs métrages déjà évoqués dans Katsuka. Tout d'abord, Yuruwame Jikashi, Harukeyo Otome, qui sort le 7 avril au Japon avec Nakamura Yusuke au design.
C'est un artiste connu pour son travail sur la série Tatami Galaxy ou encore dans l'univers d'Azen Kung Fu Generation. Il y a ensuite Yoake Tsugeru Luno Uta ou Lou Over the Wall, prévu pour le 19 mai avec un scénario inédit du réalisateur. Enfin, prévu pour le printemps 2018 sur Netflix Japon, Yuasa travaille également sur une nouvelle adaptation de Devilman, intitulée Devilman Crybaby. Si le manga de Nagaigo a déjà été plusieurs fois adapté en animé, jamais aucune œuvre n'a vraiment réussi à atteindre la noirceur de ce titre publié en 1972. Les premières images sont graphiquement très attrayantes, on a hâte. プラスティックズームスは1月11日に、ニューアルバムプラスティックズームスをリリースしました、今回はかなり踊れる作品になってます、僕たちそれぞれ好きな曲はトム君は僕は U12 が好きです。はい、ジョン君は僕はブライテンバッハの曲が好きですね。はい、カンちゃんは何ですかね。僕はマインズという曲が好きです。はい、で僕は全部好きです中でも5曲目ね、5曲目のハイウェイが、PV 今回のそう PV がリリースされてますね。はい、でもうノーライフ、ノーライフで、ノーライフでオンエアされてるですよね。そうだね、はい、チェックしてくれた人もいるかもしれない、はい、チェックしてください。ではゲームレビューをご覧ください。どうぞどうぞ。Parmi les nombreux clones de Monster Hunter qui ont vu le jour ces dernières années, Tokiden est probablement l'un de ceux qui s'en tire le mieux. Une performance qu'il doit à son univers, qui mêle habilement folklore japonais et époque féodale, mais aussi à ses combats particulièrement nerveux et accessibles, soit tout le contraire de ce que propose l'élitiste saga à succès de Capcom. Il était donc attendu que Koei Tecmo lui offre une suite, surtout après la sortie de Kiwami, une version remasterisée sur PS4 et PC, qui lui a permis de toucher un public autrement plus large que celui des possesseurs de Vita. Ce qui est plus surprenant, c'est de constater à quel point ce second épisode se montre entreprenant. En effet, Tokiden 2, comme il a été sobrement baptisé, affiche une certaine ambition et tente de transgresser les codes du jeu de chasse pour moderniser le genre. L'avatar que Tokiden 2 demande de créer en début de partie est né sous une bonne étoile. Alors qu'il participe du côté de Yokohama à une bataille mal engagée en vue de repousser une attaque de Oni, ces démons tirés du folklore japonais, une mystérieuse faille spatio-temporelle va l'éloigner du danger. Pour une raison qu'il ignore, il va être propulsé dans l'espace et dans le temps donc, pour se retrouver dans une bourgade de campagne 10 ans plus tard. Un petit miracle qui va lui permettre de se refaire pour mieux repartir au combat, et qui va surtout lui donner l'occasion de percer les origines de cette invasion démoniaque. À l'instar de son aîné, Tokiden 2 propose un scénario qui ne va pas chercher bien loin. Néanmoins, celui-ci a le mérite de se laisser suivre sans déplaisir, notamment grâce à la participation d'un grand nombre de personnages charismatiques et impeccablement doublés. Certains pourront le trouver trop bavard ou lui reprocher sa mise en scène sans relief. Mais globalement, l'histoire fait le boulot et a le mérite de ne pas souffrir d'une trop grande ambition. Contrairement à son prédécesseur, Tokiden 2 ne prend pas la forme d'un jeu de chasse traditionnel. Il propose bien un centre de commande où peuvent être acceptés de petits contrats d'extermination. Des PNJ sont également là pour solliciter les services du joueur afin qu'il accomplisse de petites tâches annexes, mais ce n'est pas là que repose le cœur de la progression. Entre la place prise par la narration et son système de quêtes, Tokiden 2 prend en effet davantage la forme d'un action RPG. Il y est ainsi question de multiplier les allers-retours et les dialogues pour faire avancer l'intrigue. Et quand vient l'heure de la castagne, le joueur n'est plus propulsé dans des niveaux compartimentés puisque le jeu prend place désormais dans une sorte de petit monde ouvert. Les missions se veulent donc plus longues et plus périlleuses que par le passé, puisqu'il faudra parfois se farcir plusieurs onis gigantesques sur le chemin avant d'atteindre sa cible.
mais aussi un peu plus recherché, comme le prouve l'importance prise par l'exploration. Ainsi que ces passages où il faut remonter la piste d'un ennemi à l'aide des Eyes of Truth, une vision spéciale. Plutôt que de se contenter d'une succession de combats, Tohokiden 2 cherche donc à apporter une dimension organique au jeu de chasse et à modestement faire vivre un univers. L'apparition des Joint Action, des événements aléatoires où il s'agit de venir en aide à un PNJ pris dans un combat afin qu'il intègre temporairement son équipe, va par exemple dans ce sens. Si Tohokiden 2 diffère radicalement de son prédécesseur en termes de construction, le cœur de son gameplay n'a en revanche pas évolué. Les combats font toujours preuve de la même patate. Les Mitama, les âmes de figures historiques japonaises, sont toujours à récupérer et à équiper pour personnaliser les capacités de son héros. L'IA des différents personnages qui accompagnent le joueur affiche toujours une belle réactivité. Bref, tout est fait pour que les fans retrouvent rapidement leur marque. Pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, rappelons que les combats reposent sur un système de démembrement. Il est ainsi question de découper méticuleusement les différentes parties des Oni, aussi bien pour les affaiblir que pour looter les matériaux nécessaires à l'amélioration de son équipement. Seule l'apparition de la Demon Hand vient gentiment chambouler les habitudes. En effet, cette sorte de grappin, utilisable dans les phases d'exploration comme au combat, permet, quand la jauge dédiée est remplie, de déclencher une attaque spéciale capable d'arracher une partie du corps d'un ennemi. Par la nervosité de son gameplay, la qualité de son bestiaire et la variété des armes qu'elle propose, la saga Tohokiden n'avait déjà plus grand-chose à prouver après seulement un épisode. Cette suite le confirme et va même plus loin, puisqu'elle apporte avec elle un soupçon de modernité qui, même s'il ne révolutionne rien, fait du bien à un genre habituellement très conservateur. La place laissée à la narration rend l'aventure plus digeste pour les joueurs solitaires. Le monde ouvert rend l'enchaînement de missions moins rébarbatif. Et même si le manque d'activités annexes l'empêche d'être un véritable action RPG, ou plutôt un véritable jeu d'action-aventure, dans la mesure où il n'y a ici pas d'XP, l'ensemble fonctionne vraiment bien. Cela dit, si Tohokiden 2 est une bonne pioche, il ne se montre pas irréprochable pour autant. On pourrait s'attarder sur sa technique, qui assure le minimum syndical sur PS4 et qui se permet d'afficher des ralentissements sur Vita. Mais son principal défaut tient surtout dans l'impossibilité de faire l'aventure principale en coopération. Le multi se cantonne du coup à de petites missions de chasse et ne profite pas réellement des différentes nouveautés apportées. Tohokiden 2 a donc de gros airs de déjà-vu, surtout qu'une bonne partie de son contenu, armes comme bestiaire, est repris tel quel du premier volet.2月の17日からスタートしましたかね。そうですね。で、初めてはね。そう。で、香港から始まって次にベルリン行って、そのあと、ポーランド、ポツナン。ポツナン行って、その後、ブリュッセル。ベルギーのブリュッセル、2デイズやった後に、ドイツのケルンに行って、で、その後に、オランダ、オランダ、昨日行って、 で、今日パリにいます。で、いっぱいエピソードがあって話したいこといっぱいあるんですけど、時間がないので、では次のコーナー、サデボワットのコーナーです。どうぞ。 Dan Simmons l'écrivait dans Hyperion, l'évolution donne l'être humain. L'être humain, après un long et douloureux processus, donne l'humanité. Du coup, l'humanité joue à évolution. Une fois cette grosse boîte localisée par Funforge ouverte, 2 à 6 joueurs prendront le destin d'espèces animales à l'aube de la préhistoire. Les cartes au centre du jeu et jouées alternativement permettent, en fonction du moment, de gérer les stocks de nourriture, d'augmenter la taille ou la population de vos espèces et surtout de doter vos protégés de traits évolutifs. Fertile ou charognard, corne ou carapace. Quelle stratégie choisir pour survivre? Devenir carnivore est-il inéluctable? Évoluer en horde défensive ou inventer le cri d'alerte pourrait permettre aux herbivores de s'en sortir? À raison de 3 cartes traits par espèce, ces dernières évolueront pendant toutes vos parties, rendant le jeu nerveux et interactif. Pourtant, à la fin, celui qui aura le plus mangé, évolué, grandi, sera seul vainqueur. Évolution, un excellent jeu de cartes pour les experts darwiniens.
Imaginez que derrière un miroir sans teint, vous ayez devant vous Einstein, un étudiant en informatique, un pirate, un sumo, la reine d'Angleterre et Dracula. Non, aucun crime n'a été commis pendant un festival de sosie. Nous sommes ici dans Profiler, un jeu d'ambiance pas du tout policier, mais zygomatiquement musclant. Dans Profiler, nous allons jouer tous ensemble. À chaque tour, l'un des joueurs va tenter de nous faire deviner un personnage parmi 6 tirés au sort. Pour cela, il va tirer 2 cartes aléatoirement avec 2 phrases. Comme c'est au hasard, on tombe souvent sur un des thèmes qui n'ont aucun rapport avec le personnage à deviner, et c'est ça qui est bien. Premier de la classe, peut tenir un grand restaurant. Le profiler va devoir placer ses 2 informations sur une échelle de valeur allant de plus 5 à moins 5. Si l'on doit faire deviner Dracula, on peut considérer qu'en tant que vampire cultivé, il aurait été bon à l'école, mais moins qu'Einstein quand même. Un petit plus 3 devrait lui aller. Par contre, question resto, à moins de jouer avec la petite cousine gothique, un moins 5 paraît raisonnable pour notre célèbre suceur. Allez, c'est aux autres de deviner qui est notre personnage mystérieux. Il faudra commencer par éliminer ceux qui ne correspondent pas. Les joueurs choisissent Einstein ? Bravo ! Il aurait sûrement eu plus 5 pour des études et zou ! Un point de victoire pour tout le monde. Une partie se joue en 5 manches en provoquant des débats essentiels pour savoir si Spider-Man aime tricoter ou pas. Enfin, un jeu sur le sens de la vie. Mince, ils ont oublié Marcus dans les personnages célèbres. Profiler se joue en bande de rigolos de 3 à 8, mais pour ceux qui n'ont pas d'amis, ça roule très bien aussi en duo. Si un pharaon à 50 ans n'a pas de pyramide, d'obélisque et de tombeau, c'est qu'il a raté sa vie. C'est le challenge que proposent Matthew Dustan et Brett J. Gilbert avec Pyramids. Celui de jouer les bâtisseurs pour faire briller à tout jamais une dynastie égyptienne en construisant la plus belle nécropole. Une partie de Pyramids se déroulera en 10 tours dont la structure est toujours la même. Approvisionnement de la carrière, sélection d'une tuile dieu, sélection d'une paire de cartes construction, construction de la nécropole, fin du tour. Dans Pyramids, tout est question de timing, le sel de la mécanique tenant dans le choix de la tuile dieu. C'est elle qui déterminera le nombre de cartes jouées, le type de construction développée et surtout l'ordre dans lequel seront choisies les cartes construction à la carrière. Plus il y a d'options sur la tuile, plus tard dans le tour sera fait l'accès aux cartes construction. Il faudra donc choisir entre prendre une tuile riche en action ou en permettant d'accéder aux cartes intéressantes rapidement avant qu'elles ne filent chez les concurrents. Si la mécanique est simple, opportuniste, l'optimisation des points de victoire demandera un brin de réflexion, sans pour autant briser des neurones puisque Pyramids est accessible à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Pyramids est un jeu pour 2 à 5 joueurs édité par Yellow.僕たちは今、4人で生活してます。ベルギーで住んでますね。で、毎日それぞれがご飯を作って、もてなすっていうことをやってるんですけども、みんな何が美味しかったですか、最近、トム君から。僕は、ショウが作ったカルボナーラが美味しかったですね。嬉しいですね。 じゃ次、はい、じゅんくん。僕はね、トム君が作ってくれたオムライスがね、絶品だったね。はい、美味しかった。いいですね。じゃあ、かんちゃんは？僕はこの前食べた鍋がすごい美味しかったですね。ああ、それぞれあっていいですね。僕は、肉ついてる。僕は何でも美味しいと思う舌を持ってるので、すごくハッピーです。じゃあ、次のコーナー、とことこご覧ください。 ゲームのディレクターをやっています、横尾太郎と言います。これまで作ったゲームはドラッグ・オン・ドラグーンシリーズであるとか、あとニーヤシリーズのディレクターなどをやらせていただきました。最近まで作っていたニーヤ・オートマタというゲームの制作をプラチナゲームズさんにお願いしていたので、そこのプラチナゲームズさんの現場に入ってディレクターというポジションで開発をさせていただいていました。 なので今は東京に半分、大阪に半分暮らしています。
ケニさんがプラチナさんと一緒にお仕事をしようというタイミングと、たまたま僕がニーヤで何かをやりたいということをスクエニのサイトプロデューサーにお願いしたタイミングが一緒ぐらいで、斉藤さんがそれを一緒にしちゃえばどうかっていうところが話の発端でした。ちょっとその複雑な契約形態なんですけれども、気が向いた時に行って気が向いた時に帰るっていう、ちょっと自由なスタイルでやらせてもらっています。基本的には24時間いつでも好きな仕事をしていたいと思っていて、プラチナゲームズさんであるとか、もしくは東京の自宅やオフィスであったりとか、いろんなところでシナリオを書いたり映像の編集をしたりしています。プラチナゲームズさんの、僕自身はクリエイターを好きになるというよりは、どちらかというと作品を好きになる。例えば狼であるとかメタルギアライジングであるとかは、もともとすごく好きで、個人的に買わせていただいて、それでたまたま今回自宅にあったパッケージを持ってきてサインをいただいたという次第です。今一緒に働いている若いゲームのクリエイターたちは、すごくその勢いがあって熱意もあって、いろんなことをアイデアを出してくれるので、僕としてはその何も考えなくても選択をするだけでゲームが勝手にできていくなという感じですね。正直に言うと、プラチナゲームズさんで働くのはすごく楽しいんですけれど、自分はいらないなってすごく思います。もともと僕はバーチャルボーイのギャラクティックピンボールっていうゲームがものすごく好きで、そこからいわゆるデジタルピンボールと呼ばれるジャンルのゲームをすごくやっていたんですけれども、実際のピンボールのある場所っていうのはもう日本では実はあまりなくて、非常にこうマイナーな趣味というか高級な趣味になっているんですね。ただちょっと調べてみたら、大阪ですごくそういう状態のいいピンボールをたくさん集めている場所があるという情報を入手して、これは行かなきゃいけないということで行って、そのピンボールを触るっていうことをよくやります。ピンボールの魅力っていうのは、なんかちょっと言い表しづらいんですけれども、小さい場所にいろんなデザインの要素がギュッと詰まっていて光っているけれど、どこかちょっと寂しい感じがする、その少しノスタルジーがある感じが面白いなと思って、面白さという意味では今のビデオゲームとかの方が複雑だと思うんですね。ただそこに漂う空気感であるとかデザインの美しさであるっていうところで、それに触れる意味がすごくあるなと僕は思っていて、僕のゲームも面白くなくていいから、できればプレイする意味のあるゲームになってほしいなというふうに思っています。なんで今日こうやってこの部屋の様子をお見せしているかっていうと、僕のゲームをプレイされる方、ファンの方の多くはちょっとどこか変わった人が多いなっていうふうに僕は感じていて、そういう人たちっていうのは世の中のすごくメジャーなエンターテインメントとかメジャーな遊び方とかとは違うところに目を向ける人だなと。まあある種ニッチな暮らし方をしているって、例えば必ずしも外に出て旅行をしたり太陽の下で運動したりすることが人生の喜びではなくて、こうやって暗い部屋に引きこもってゲームとかいろんなことを想像しながら楽しく生きてるっていう、その姿がある種意味があることなんじゃないかなというふうには個人的には思っていて、やりたいことをやって生きているので、基本的にはゲームを作ったり物語を書いたりするのがすごく好きだなというふうに思っていて、
それ以外に趣味がほとんどないんですね。例えば映画とかを見ていても、ちっちゃいモニターの前で今何分でどういう出来事が起きたかっていうのをメモしながら、そういう分析をしたりすることをずっとやっています。個人的には僕は毎回違うタイプのゲームを作りたいなと思っていて、いろんなチャレンジをしているんですけれども、最終的にやはり同じ人間が考えているものですね、どこか似てしまうというところがあると思うんですね。こう自分自身が今まで作ってきたものに共通点があるとしたら、それは個人的にはちょっと失敗があるなというふうに考えています。いろんな AAA のタイトルを見てすごく面白いな、美しいなと思うんですけれども、プレイし始めて20分ぐらいすると、あとこれが20時間続くのかっていう気持ちになって、ちょっとそれに疲れちゃったんですよね。 できればそういう先が、未来が見えない、もうちょっと不安定な変化し続けるゲームを作りたいなと思って考え出したのがニーヤの前作のコンセプトで、本作ニーヤオートマタについてもそれは継承されてます。ビデオゲームは幸いなことに形がいつも時代によってふにゃふにゃ変化し続けるメディアですから、そういう自由なところが僕は好きで、これからより新しい形になっていくのを近くで見届けたいなと思ってビデオゲームを作ってます。ユーザーさんが参加されて初めて答えが出るメディアだと思っていて、その答えをクリエイター側からこれが正解だよって提示するのは極力したくないなというふうに思っています。だから答え、テーマや何を見つけるか、目的というのはプレイヤーさんが自分で見つけてもらえると嬉しいなというふうに考えています。だから自分自身にとってあれをしちゃいけないとか、これをしちゃいけないっていうようなルールは制作スタイルの上では存在しなくて、むしろ逆に世の中の大勢のクリエイターさんがこういうことをしなければいけないっていうふうに言ったら、僕はその逆の方に走っていって、そこに可能性がないかを調べたいなといつも思ってます。ニーヤの会議が終わった後に、まあ、スクエアエニックスの斉藤さんとか田浦さんと共に飲みに行くことが多いです。スクエアエニックスの斉藤さんはすごくお話が上手な方で、まあプロデューサーらしい感じの人なんですけれども、お酒も好きで職業柄すごく女性にモテるなと思っていて、いろんな声優や女優さんを抱いているんじゃないかなって僕は想像をしています。プラチナゲームズの田浦さんはゲームデザイナーとしてニーヤオートマタに入ってくださっているんですけれども、彼は非常に優秀な方で、ほとんどゲームのディレクターと言ってもいいような作業をこなしてもらっています。彼はすごくクールな、いわゆるイケメンなんですけれども、実際にはあんまり人と話したがらないシャイな人です。そうですね、なんかよくインタビューで全然何もしてないとか口出してないとか言うんですけど、プラチナのディレクターと比べた時に多分一番口出してる気がします。そう、一番ゲームに関わってきてる気がします。だってすごいボツにするなんか全部お任せ全部お任せみたいなこと言うてるけど、でも実はそんなことないでしょ。そうですね、こうしたいっていうのがやっぱりちゃんとありますし、出したものに対してもすごいやっぱり言います。そうだよね。でだって研修ミーティングとかでたまにほら時間が横尾さん会社来ないから見せられない時とかがあって、初めて俺が見る時に横尾さんが横で、あ、これ俺見てないってちょっとイラッとしてる時あるもん。イラッとはしてない。相当切れてる。なんか太ももをなんか持ってるボールペンで刺しながら、俺これ見てねえぞ。スクイーンさん帰った次の日とかはもう僕ら平謝りです。そうですよ、ブチ切れてるでしょ。スタジオの風景を未来のことを最近よく想像するんですけれども、僕は若い頃にやはり
何かを作りたいと思っても上にいっぱいクリエイターが詰まっていてなかなかやりたいことができなかった。でもやりたいことはたくさんあってすごい歯がゆい思いをいっぱいしてたんですね。で今幸運にもディレクターになれてゲームを何本かリリースさせていただいて安定した場所にいるということはそういう若いやりたいと思ってる人そういう人たちを踏み台にして僕は今立ってる気がするんですよね。 RPG の魔王みたいにある日勇者がやってきて僕を倒した新しいゲームを作っていくっていうその作っていくのはどんなゲームなんだろうっていうことをよく想像します。僕がいつも思っていることで一番大切に考えていることは疑うことです。何かっていうとやはりいろんな人間を間違えたりすることがたくさんあると思うんですけれども常に自分が正しいというふうに思えないんですよね。だからそうやっていつも自分自身を疑い続けることが僕は僕にとって一番大切なことだと思っています。お別れの時間になってしまいました。早いですね。次の、プラスティックズームスのライブが、4月の14日、はい、マルセイユであるのとあと4月の15日にトゥーロンでありますね、はい、とても楽しみにしてますしみんな来てくれるよね、はい、ちなみに翔くんどっちが楽しみ？どっちも楽しみです、はい、そして J-TOP に投票してくれるよね。OK? ではまたお会いしましょう。バイバーイ。